Mais vous avez jamais travaillé avec des détenus? Si, un petit peu. Mais c'était des jeunes en difficulté qui avaient fait des conneries. Ah d'accord. C'est pas pareil. Alors là, je m'appelle Étienne, je suis comédien. On va faire des sketchs, nous, monsieur. Bah ouais, nous, on va faire du stand-up. Les sketchs, c'est pas trop mon truc. Moi, je fais du théâtre. Mais c'est bizarre, on vous a jamais vu. T'es con, quoi. Il serait une star, il serait pas avec nous. Tu réfléchis un peu. Le plus grand auteur de théâtre du XXe siècle. De quoi elle parle, la pièce? De deux mecs dans la merde qui espèrent des lendemains meilleurs. Ça vous parle pas, ça? Je veux pas qu'ils se retrouvent en situation d'échec. Je suis là pour les tirer vers le haut. Oh, vas-y, c'est relou, mais ton non, mais truc. Mais c'est important, c'est au boulot. Ça veut dire 6 mois de répétition. Mais comment vous voulez que je justifie ça, moi? Ils vont représenter tous les autres. Ils vont devenir des exemples, des ambassadeurs. Comment veux-tu qu'ils y arrivent? C'est pas des acteurs. Donne-moi 6 mois, je vais le faire. Ça divine, aphasie. Putain de merde, je sais même pas ce que ça veut dire, aphasie. C'est quoi ce bordel, là? C'est une répétition, madame. Vous êtes pas dans un théâtre, ici. Vous êtes dans une prison. Avec des délinquants, des criminels. Non, tu parles pas comme ça, moi. Attends, je te parle comme je veux, je suis metteur en scène ici. Moi, je veux que les spectateurs, ils oublient d'où vous venez. Je crois qu'on oublie d'où on vient, non? Le public est saisi du grand théâtre. Je crois que vous allez faire une tournée. C'est pas pour eux que t'as fait ça, c'est pour toi. Et alors? J'ai pas le droit d'exister, moi? Allez, c'est passé ça, quand même. Étonnez-nous. Ça, vous l'emporterez avec vous. Personne viendra vous le piquer, ça.